Amen. Dieu te bénisse. Wow. Ce n'est pas facile. Hein. Le Dieu de nos pères nous soutient. Amen. 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 Ce n'est pas facile. Mais le Dieu de nos pères nous soutient. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et vraiment, nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Voilà. Très content de voir le visage de Maman Marguerite. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que la main ne peut pas être opposée, je n'ai pas besoin de toi. Ou alors la tête, vos mains, je n'ai pas besoin de toi. Non. Chaque main est important pour toi. Alléluia. Il y a un membre qui m'a Alléluia. Amen. Donc, gloire à Jésus. Chacun va lever la voix, tu vas commencer à prier. Amen. Commence à prier. Merci à Jésus. Nous sommes là, tu es en train de se faire. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, commence à te sanctifier. Commence à demander pardon à Jésus. Alléluia. Demande pardon à Jésus. Tu te souviens d'avoir beaucoup de tort. Demande pardon à Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon. On dit que ça, c'est notre 10e journée de jour de jeûne. Alléluia, par la grâce de Dieu. Ok, pour tous ceux qui jeûnent, vraiment, mes félicitations et soyez forts. Je sais que parfois, quand vous passez à côté du frigo, même vous n'avez jamais aimé, vous tentez. Oh, c'est-à-dire, il vous provoque, il dit viens me tester, mais vous résistez. Je sais que vous résistez parce que vous savez qui vous avez cru. Alléluia. Ne tirez pas la culpabilité dans votre esprit pour rien.
Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous prenez l'engagement devant Dieu de faire un programme, honorez ce programme. Amen. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, un instant s'il vous plaît, je vais essayer, je ne sais pas comment, un instant. Prenez le micro s'il vous plaît, parce que là, je ne peux pas tout faire. Alléluia. Où il y a les bruits, fermez le micro. Voilà. Amen. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il fut un moment, alléluia, dans mes débuts avec Dieu, j'ai pris un programme de 40 jours de jeûne et je m'étais décidé avec Dieu seul. Dieu ne m'avait pas forcé, il ne m'avait pas dit prendre le programme. Moi-même, je m'étais levé et j'ai décidé de prendre le programme parce que le jeûne est important dans la marche avec Dieu. Amen. Le jeûne a une grande puissance quand on veut vraiment, surtout quand on est serviteur de Dieu, ça a une grande puissance. Amen. Ça nous rapproche beaucoup de Dieu. Je parle du vrai jeûne, hein, parce qu'il y a ceux qui jeûnent là pour jeûner. Est-ce que vous comprenez? Il y a ceux qui jeûnent pour faire le régime. Je parle vraiment du jeûne. Alléluia. Donc, dans cette marche avec Dieu, j'ai jeûné et je n'ai pas honoré la parole que j'avais tenue devant Dieu. Normalement, je ne devais pas manger la nourriture. Je devais manger uniquement des fruits et des légumes pendant 40 jours. Et dans ce moment de jeûne, j'étais peut-être à 20 jours. Et j'étais tenté par un bon plat de couscous gombo. Oh, je ne sais pas si vous connaissez le couscous gombo. C'est-à-dire, on avait préparé un couscous. L'odeur de ce couscous m'a séduit. Et je suis tombé. Oh, j'ai péché. Je suis tombé. Oh. Et quand je suis tombé, vous savez, ça en Europe, les nourritures africaines sont très rares. Donc, quand vous avez l'opportunité, et ce qui est marrant, c'est que cette opportunité s'était présentée quand j'étais dans mon programme de jeûne. Donc, vous voyez, Satan vient me tenter. Il dit, oh. Mais je n'avais pas cédé, je n'avais pas résisté à ce couscous. Et j'ai mangé. Et le Seigneur m'a eu reproché dans la nuit. Et ça m'a beaucoup fait mal. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait ce genre d'erreur. C'est pour vous dire quoi? Quand vous êtes même engagé et qu'il vous arrive parfois de tomber, ne dites pas non. Ne vous lâchez pas non. Levez-vous et recommencez. Je ne vous envoie pas aller tomber. Je vous dis juste pour que vous ne vous plaisez pas en fait dans ce que vous faites, dans vos erreurs en fait. Alléluia. Mmh. Juste pour que vous ne vous plaisez pas dans vos erreurs. Donc si ça arrivait, peut-être que tu n'as pas honoré. Non, ne dites pas que non, tu arrêtes le programme. Comme tu as déjà, non. Lève-toi, demande pardon ou appelle mon prêtre et continue le programme avec nous. C'est important. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. Donc, que sur ça, que Dieu vous bénisse. Je vais passer la parole à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la prière. Voilà, et l'homme de Dieu va nous conduire par l'Esprit de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je prie que Amen. Dieu dispose le cœur. Que Dieu dispose les cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous sommes à l'écoute. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Wow. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, le prophète Lionel du ciel. Je bénis Dieu pour lui parce que si nous sommes réunis ici, c'est parce qu'il a accepté son appel. Dieu peut appeler beaucoup de personnes, mais il y en a qui disent que non, tu m'appelles pourquoi? Et quand bien même Dieu appelle, il y a beaucoup qui ne se disposent pas pour être des élus de Dieu. La Bible déclare qu'il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. C'est une grâce d'avoir un homme de Dieu tel que lui. Une grâce d'avoir un homme de Dieu qui a accepté son appel et qui a accepté de se sacrifier. Sacrifier sa jeunesse parce qu'il veut servir le Seigneur. Au point où aujourd'hui nous sommes réunis et je crois que beaucoup d'entre nous nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Bénis vraiment Dieu pour ça. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu m'as confié encore la lourde responsabilité ce soir de pouvoir enseigner ton cœur. Seigneur, c'est sous le manteau de ton prophète, le prophète Lionel du ciel, que je fais cette prière. Laisse que l'esprit de mes frères et de mes sœurs soit connecté au Dieu éternel à toi. Ouvre notre esprit pour comprendre les Écritures. Par le manteau que tu as déposé, Seigneur Dieu, dans cet autel, par le manteau que tu as déposé dans ce ministère, laisse que ta grâce repose sur ses enfants, sur chacun de ses enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Que
Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui du mystère de la prière. Vous savez, j'aime mettre mystère. Je peux dire que je veux parler du thème prière, mais je mets mystère devant. Parce que je sais que Dieu m'a appelé pour donner des mystères, pour parler des choses cachées, des choses qui ne sont pas visibles facilement, mais que le Seigneur révèle à ceux qui sont humbles comme les petits-enfants. La Bible déclare que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous pratiquions toutes les œuvres de la loi. Le but du commandement, tout ce que nous sommes en train de donner ici, le but c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc tout ce que nous donnons ici, c'est pour ton édification. C'est afin que tu portes du fruit de la charité, le fruit de la paix, le fruit de l'amour. N'oubliez jamais que l'ennemi ne pourra pas forcément nous empêcher de nous réunir comme ça. Mais s'il y a une chose dont il veut nous empêcher, c'est d'aller au ciel. L'ennemi veut nous empêcher par tous les moyens d'aller au ciel. C'est pour ça que tout ce que vous aussi vous faites penser au ciel, crois que comme tu es réuni ici, tu es réuni ici parce que tu veux aller au ciel. Crois que quand tu écoutes la parole, tu écoutes la parole parce que tu veux aller au ciel. Faites toutes choses parce que vous savez qu'il y a une cité céleste qui vous attend. Ne faites rien pour les biens de ce monde d'abord, non. Mais faites tout pour le royaume qui nous attend. Alléluia. Quand tu vas mettre le royaume de toi comme l'objectif, toutes ces choses que nous faisons, ça va devenir beaucoup plus facile pour toi. Parce que tu as mis un idéal supérieur. Tu as une espérance qui est supérieure à toute espérance sur cette terre. Alors ta vie chrétienne ne va pas dépendre d'une situation ou d'une circonstance sur cette terre. Ta vie spirituelle va dépendre uniquement du royaume de Dieu, de ton Seigneur qui t'a promis quelque chose. Alléluia. Ce que je viens de dire là, retenez ça bien. Ne faites rien pour autre chose que pour aller au royaume. Tant que le royaume n'est pas manifeste, tant que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, n'est pas descendu pour nous prendre et nous amener dans le royaume, nous allons continuer à travailler avec crainte et tremblement devant Dieu. Nous allons continuer à nous réunir dans sa présence avec crainte et tremblement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux parler de la prière, bien-aimé. Vous savez, lorsqu'on parle de la prière, c'est quoi prier? Si on posait la question à quelqu'un, c'est quoi prier? Prier, c'est tout simplement communiquer avec une divinité. Communiquer avec une divinité. C'est ça, en fait, la prière. Maintenant, la Bible déclare qu'il y a plusieurs dieux. Mais nous, nous savons qu'il y a un seul Dieu. C'est-à-dire, bien qu'il y ait plusieurs dieux, ça veut dire qu'il y a des personnes qui prient. Mais ils prient qui? Il y a des personnes qui prient des dieux inconnus. Mais nous, nous prions Adonai, nous prions Elohim, nous prions El Shaddai, nous prions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions Emmanuel, nous prions Dieu, Jéhovah. On le connaît sous plusieurs noms. Les hommes l'ont connu, certains l'ont connu comme Jéhovah Jireh, Abraham. Gédéon l'a connu comme l'Éternel est ici, Jéhovah Yekedia. Les autres l'ont connu comme Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Il a beaucoup de noms selon que les hommes l'ont rencontré. Mais lorsque je regarde tous les noms de Dieu, ce que je peux comprendre, c'est que Dieu est tout simplement immense. Dieu est l'absolu. Dieu ne peut pas être contenu. Quand toi, tu crois qu'il est seulement le Dieu qui pourvoit, il te démontre qu'il est aussi le Dieu qui guérit. Lorsque tu crois qu'il est seulement le Dieu qui guérit, il te démontre qu'il est aussi notre étendard. Lorsque tu crois qu'il est seulement ton étendard, tu comprends qu'il est aussi le Dieu qui donne la paix. Lorsque tu crois qu'il donne seulement la paix, tu comprends qu'il est aussi un feu dévorant. En fait, Dieu est l'absolu. Il est tout. Il est celui qui habite les lieux inaccessibles. Celui qui a été créé sans le concours d'un homme. Il n'a pas demandé le conseil à un homme pour créer. La Bible déclare qu'il a créé la terre par sa sagesse. Il a fermé les cieux par son intelligence. La Bible déclare qu'il est l'ancien des jours. C'est lui qui est assis sur le trône. Celui dont les quatre êtres vivants tous les jours disent « Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu ». Celui qui était, qui est et qui vient. Celui dont les 24 vieillards déposent leur couronne et disent que la louange t'appartient. La gloire
t'appartient. La richesse t'appartient. Toutes choses appartiennent à notre Dieu. Il n'a point de Dieu comme lui. Il est venu sur la terre. La Bible déclare que la parole s'est fait chair, habitée au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il a marché sur les eaux. Il a commandé aux tempêtes et aux vents de s'arrêter. Et la tempête et le vent s'est arrêté. Nous servons un Dieu redoutable. Nous servons un Dieu sans pareil. Nous servons le Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous devons savoir que notre Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Et nous devons croire en sa parole. Comme nous sommes unis aujourd'hui pour parler de prière, sachez que c'est avec ce Dieu-là que nous communiquons. Nous ne communiquons pas avec un autre Dieu que ce Dieu-là. Et nous devons le connaître. Il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et le Fils que tu as envoyé. Mon cœur est rempli de joie et j'ai envie d'adorer Dieu. Et je comprends pourquoi il me met dans cet état, c'est afin que nous puissions bien enseigner ce thème. Parce que quelqu'un qui prie, pour que ta prière ait une efficacité, il faut que tu sois dans un état d'adoration. Rapidement, nous allons lire un livre ce soir. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, au verset 17. Ésaïe 59, au verset 17. Ok, je vais lire. Ésaïe 59, verset 17, il est écrit. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Je vais encore lire ça. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ici, on est en train de nous parler de Dieu. Et on nous dit que Dieu se pare. Mais quand on nous dit que Dieu se pare, on nous parle du casque que le Seigneur met sur sa tête. On nous parle de la justice qui lui sert de cuirasse. Et immédiatement, lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, ça me rappelle le livre d'Éphésiens. Là où le Seigneur nous parle des armes du chrétien. Éphésiens, chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 10. Je vous amène quelque part, hein. Restez connectés. Éphésiens, chapitre 6. À partir du verset 10. Je vais lire. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Nous voulons parler de la prière, mais je ne vais pas trop m'attarder sur des petites choses aujourd'hui. Je vais d'abord vous donner le revers avant de revenir maintenant sur la chose que vous avez déjà entendue plusieurs fois. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire ici? J'essaye de vous montrer que les armes que le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner là, lui-même, il met les mêmes armes. Vous voyez dans le livre d'Ésaïe que nous venons de lire, que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu lui-même met le casque du salut, lui-même met la cuirasse de la justice quand il veut agir. Et ici, il nous dit quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Il nous dit que
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde et les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que quelqu'un dise dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Ok, écoutez-moi bien. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire le combat spirituel si tu n'es pas dans les lieux célestes. Or, pour être dans les lieux célestes, il y a un vêtement qu'on doit te donner. Si tu ne portes pas le vêtement là, tu ne peux pas arriver dans les lieux célestes. Et si tu n'arrives pas dans les lieux célestes, tu ne peux rien faire. Ta prière n'a même pas d'efficacité. La Bible dit bien que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce ne sont pas les choses charnelles qui doivent faire l'objet de nos prières. Ce ne sont pas les choses du sang qui doivent faire l'objet de nos prières. Mais ce qui doit faire l'objet de nos prières, ce sont des choses célestes. C'est dans le céleste qu'il y a les dominations, qu'il y a les principautés, qu'il y a les esprits méchants qui combattent ta destinée. Amen. Je ne sais pas si tu comprends là où je suis en train de parler. En fait, il y a beaucoup de personnes qui prient, mais la prière ne change pas leur vie. La prière ne change pas leur destinée. Il y a des personnes qui crient à Dieu, mais leur cri n'arrive nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas revêtu le vêtement de Dieu, le vêtement qui te t'identifie comme un citoyen céleste, afin que tu commences même le combat. Amen. Je sens que quelqu'un peut déjà comprendre là où je suis en train de partir. Parce qu'il faut un vêtement pour aller combattre. Dieu lui-même se revêt de ce vêtement. Et Dieu, pour nous aider à combattre, nous a également donné ce vêtement. Que voici le vêtement que vous devez porter avant d'aller combattre. Ici, je suis en train de parler d'un type de prière. La prière de combat. C'est avec ça que je vais commencer d'abord. Pour aller vers les choses simples, je commence d'abord par ceci. Tu ne peux pas aller batailler si tu n'as pas ton armure. C'est impossible. Or, l'armure, si, c'est l'armure de Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est la nature de Dieu qui te transmet. Et lorsque tu as cette nature, lorsque tu te revêts de la nature de Dieu, c'est ça qui te donne accès au lieu céleste. Et sache qu'au lieu céleste là, il y a les combats là-bas. Il y a les combats là-bas. Je vais dire quelque chose qui peut te choquer. Vous avez appris dans le livre de Genèse que lorsque l'homme et la femme ont péché, ils furent chassés du jardin. Mais la Bible ne nous dit pas que le serpent a été chassé du jardin. Pas du tout. Mais la Bible nous dit clairement que le jardin était le lieu de repos de l'homme. Était le lieu où l'homme devait avoir tous les délices. Le lieu où l'homme devait avoir toutes ses bénédictions, sans effort. Mais il a été chassé de son lieu de bénédiction. La question que je dois te poser, c'est, tu crois que quand la bénédiction doit venir, donc ça doit venir d'où? Ça doit venir du jardin que Dieu avait préparé pour toi, vrai ou faux? Vrai. Mais la Bible t'explique bien que le jardin là, on a eu à te chasser de là, et il y a quelqu'un qu'on appelle le serpent qui est resté maître de ce que toi, tu devais posséder. Oh Seigneur. Donc dans les mystères, lorsque tu lis Apocalypse chapitre 12, tu comprends que le dragon dont on parle et qui est au niveau du deuxième ciel, en fait, le deuxième ciel représente ce jardin où l'homme ayant été chassé, oh my God, où l'homme ayant été chassé a perdu ses biens. Mais le Seigneur Jésus-Christ maintenant vient restaurer l'homme, faire en sorte que l'homme remonte, c'est-à-dire que l'homme monte encore. Il monte encore au niveau de son jardin. Mais arrivé au niveau de son jardin, il trouvait les dominations qui étaient déjà là-bas, que le serpent avait déjà établies. Il trouvait les principautés que le serpent avait déjà établies. Il trouvait les esprits méchants, les démons. Et Dieu demande maintenant à l'homme de chasser cela, de chasser ses dominations, de chasser ses principautés, de chasser ses esprits méchants de sa position. Parce que la position là, que eux, ils ont, c'était en fait notre position que nous avons perdue
à cause du péché. Mais maintenant qu'il nous ôte le vêtement du péché et qu'il nous met le vêtement de sainteté, il dit allez reprendre vos possessions que l'ennemi avait pris. Donc vous êtes censé manquer et déstabiliser l'ennemi et chasser l'ennemi maintenant dans les lieux inférieurs. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Donc, le combat spirituel ne peut commencer qu'à partir du moment où tu prends le vêtement de la sainteté pour mettre sur toi. Amen. Si tu ne portes pas le vêtement de la sainteté, mon ami, tu vas tourner en rond dans ta vie après 40 ans dans l'église. Tu vas voir tous les gens qui viennent d'arriver 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours passer devant toi. Tu seras Amen. La même chose. Pourquoi? Parce que tu as refusé de porter le vêtement céleste. Personne ne peut arriver dans les lieux célestes et combattre les dominations s'il ne commence pas par porter le vêtement céleste. Alléluia. Personne Amen. Ne peut arriver dans les lieux célestes. Et je répète encore, c'est dans les lieux célestes que le combat se passe. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle les lieux célestes? Ça veut dire que c'est quelque chose de spirituel, de supérieur au charnel. De supérieur au charnel. Ça veut dire que lorsque tes prières sont toujours pour demander les bonbons et les chocolats, en fait, tu n'es pas différent d'un païen. Allons dans Apocalypse Amen. Chapitre 12. Ce que je vais expliquer ici, c'est un peu dangereux. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds. Pourquoi on dit qu'une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds? Le soleil et la lune sont les éléments célestes, vrai ou faux? Amen. Le soleil et la lune, ce sont les astres, ce sont les éléments célestes en fait. Et on dit maintenant qu'une grande signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme s'y représentait l'église. Et on vous dit que l'église, c'est-à-dire que l'homme racheté par Christ, parce que l'église signifie l'homme racheté par Christ. Le pécheur racheté est en fait l'église. L'église est le pécheur racheté. Donc le pécheur racheté a été amené dans les lieux célestes. Mais lorsque le pécheur racheté, c'est-à-dire l'Église, a été amené dans les lieux célestes, on nous explique qu'elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut aussi. Donc là où elle était là, où on dit qu'un signe parut, donc elle s'est révélée, parce que quand on parle d'un signe qui a paru, on parle d'une révélation. Donc il y a eu la révélation de la postérité de la femme, mais au même moment qu'il y a eu la révélation de la postérité de la femme, il y a eu aussi une autre révélation. Et la révélation là, c'était quoi? Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est-à-dire que quand tu veux enfanter ta destinée, l'ennemi veut attaquer ta destinée là. L'ennemi veut tuer ta destinée là. Et le combat s'il se passe où? Dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'on a parlé d'envelopper du soleil. Des étoiles. Une manière de vous dire que ça ne se passe pas dans les lieux charnels, mais ça se passe dans les lieux célestes. Amen. Donc, le dragon-ci, il veut faire quoi? Il veut voler ton enfant. Il veut voler ta destinée. My God, le téléphone s'est éteint. Ça, c'est quelle histoire? Alléluia. Amen. 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 Wow. Voilà le niveau. L'ennemi veut nous combattre. Amen. Quelqu'un dit ça après moi, c'est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. C'est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mystère de la prière. Alléluia. Amen. 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 Voilà, commence à prier et demande à Dieu de t'accorder la grâce de la révélation du mystère de la prière. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Commence à prier, dis Seigneur, accorde-moi la grâce de la prière. Alléluia. Au Dieu de gloire, les yeux, afin que tu nous enseignes. Au Dieu de gloire, de la prière. Seigneur, accorde-nous cette grâce de regard et de pouvoir. Demande-nous, expose nos esprits, au Dieu de gloire. Enseigne-nous, au Dieu de gloire, afin de voir tout ce qui entend. Nous voulons comprendre le mystère de la prière. Nous voulons être éduqués, nous voulons être enseignés. Manifeste le Dieu de gloire parmi nous. Ô Père, viens nous toucher, viens nous enseigner, viens nous guider, viens nous éclairer, Père. Manifeste le nom de son capable de Christ. Ô Dieu de gloire, nous avons commencé cet enseignement La Bible déclare que la prière du juste a une puissante efficacité. Amen. Ça vous comprenez? Amen. La prière du juste a quoi? A une puissante efficacité. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a les prières qui ne sont pas efficaces. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire qu'il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Est-ce qu'on est d'accord? Et l'homme de Dieu expliquait tout à l'heure que ça veut dire que pour que ta prière soit efficace, il faut que ta vie soit propre. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance, au sacrifice. Et c'est cette obéissance qui rend ta prière efficace. L'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Cette obéissance qui rend ta prière efficace. Donc, commence à lever la voix, tu pries. Que Dieu t'accorde la grâce d'être un enfant obéissant, afin que ta prière soit efficace. Que tu ne sois pas quelqu'un qui prie en vain, qui prie pour le même problème du 1er au 31. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. On commence à lever la voix, tu pries au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions au nom de Jésus.
Le diable ne peut pas te stopper. Amen. Le diable ne peut pas me stopper. C'est vraiment des gros soucis, des attaques même, je dirais. Mais je vais d'abord continuer. Alléluia. Nous continuons. Amen. Donc, j'étais en train de dire ici que la femme ci dont on parle dans les lieux célestes représente l'Église. Et il y a un autre signe qui parut, c'est-à-dire le grand dragon. Et le grand dragon vient pour faire quoi? Pour dévorer. Pour dévorer la bénédiction. Pour dévorer ta destinée. Parce que quand vous voyez, la femme était enceinte. Elle était enceinte de quoi? De sa destinée. Elle était enceinte des œuvres que Dieu a prédestinées d'avance. Et c'est ça que l'ennemi veut dévorer. Mais qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire dans Apocalypse 12, permettez que je continue à lire, je lis que ça rapidement. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et qui? Il y a quelque chose qui se passe ici. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ici, il y a une compréhension qu'il faut avoir. La compréhension qu'il faut avoir ici, tout le monde dit de manière claire que la postérité de la femme en question, c'est l'Église. Mais on vous dit que l'Église aussi a enfanté. Parce qu'en réalité, l'Église a enfanté Christ. Parce que l'Église, c'est la pépinière qui fabrique les Christ. En fait, quand tu vas dans l'Église, c'est pour que Christ soit formé en toi, afin que tu puisses l'enfanter, pour que les œuvres de Christ soient manifestées au travers de toi. Amen. Donc nous tous ici, nous avons le même rôle que Marie. Marie, il faut que le Saint-Esprit te couvre de son ombre et que tu enfantes Christ. Amen. Donc le rôle que j'ai, c'est le même rôle que tu as. Nous, le Saint-Esprit nous couvre de son ombre jusqu'à ce que nos attitudes, nos actes témoignent de Christ. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on enfante Christ. Amen. Donc c'est la même chose. Une fois que Christ est enfanté, il faut que le Christ-là qui est en toi s'élève jusqu'à aller à la rencontre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'il faut que tu t'élèves jusqu'au niveau où, quand tu t'élèves en hauteur, vous avez lu la Bible où Jésus-Christ a été amené dans le désert. Quand il a été tenté dans le désert, je crois que j'ai enseigné ça, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il a été amené dans le désert. Quand il a fini de résister à Satan, ce qui s'est passé, c'est que les anges... Ok, je disais que quand il a fini de résister à Satan,
les anges sont venus le servir. Et ici, on nous dit que lorsque le Fils est monté, immédiatement, les anges sont venus maintenant combattre. Les anges sont venus combattre. En fait, il y a un niveau où tu dois t'élever dans le spirituel. Il y a un niveau où tu dois t'élever. Dieu t'attend quelque part pour déclencher quelque chose. Amen. Dieu t'attend quelque part pour déclencher quelque chose pour ta destinée. Amen. Dieu Amen. T'attend Amen. Quelque part. Amen. Amen. Je te dis en vérité, Dieu t'attend quelque part. Quand tu arrives là-bas, immédiatement quelque chose se déclenche. La Bible déclare que les anges maintenant sont venus combattre et le dragon ne fut pas le plus fort. Amen. Le dragon ne fut pas le plus fort. Amen. Et on présente le dragon aussi comme celui qui séduit toute la terre. Oh my God. J'ai pas envie d'entrer dans quelque chose qui va vous perdre. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Écoutez, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, l'accusateur est resté. L'accusateur est resté dans le jardin là pour dire que ici là, les gars ils n'entrent pas. Les gars ils n'entrent pas parce que ils ont mangé l'arbre que tu leur avais défendu de manger. Tous les jours, il accusait, on nous accusait devant Dieu. Tous les jours, on nous accusait devant Dieu. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme descende et qu'il crée la nouvelle, la postérité de la femme. Et c'est la postérité de la femme maintenant qui s'élève. La Bible déclare que lorsque Dieu s'est élevé, Jésus-Christ s'est élevé, lorsqu'il a ressuscité, il a amené les captifs. Lorsqu'il a ressuscité, il nous a amenés où? Dans les lieux célestes. Amen. Donc nous sommes remontés. Nous sommes remontés parce qu'on était descendu en fait. Amen. On avait perdu cette gloire. On était descendu. Mm. Il nous a ramené encore à nous élever. Et maintenant, vous allez voir, il va dire ici quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Maintenant, si tu considères comme cette terre et cette mer, comme si c'était ici, tu te trompes. La terre-ci et la mer-ci, dont on parle ici, c'est un niveau. Un enfant de Dieu ne vit plus sur la terre et dans la mer. Il n'est plus dans le monde des eaux. Il n'est plus dans la terre. Il est déjà dans les cieux. Donc, où tu es là? Où tu es là? Toi qui as le vêtement de la sainteté, c'est ton corps-ci. Ton corps physique qui est ici. Mais toi-même, tu es dans les cieux. Amen. 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 Toi-même, tu es dans les cieux. Amen. Et le malheur dont on parle, ce n'est pas à toi qu'on dit ça. C'est à ceux qui sont restés terrestres, à ceux qui sont restés charnels. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare que toi, le serpent, tu mangeras la poussière. Donc, tous les hommes qui sont à l'état poussière, ils vont être mangés par le serpent. Mais les hommes qui ne sont plus à l'état poussière, c'est-à-dire qui sont devenus plutôt des esprits vivifiants, donc des esprits à qui on a donné des corps, ils ont déjà vaincu le serpent. C'est Amen. Eux qui écrasent la tête du serpent et le serpent leur mord sur le talon. Amen. C'est deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui représentent la poussière que le serpent doit manger tous les jours de sa vie. Vous avez vu qu'un serpent mangeait la poussière. C'est un langage spirituel. C'est un langage spirituel. Aucun serpent ne mange la poussière. Mais tu mangeras la poussière. On veut vous parler ici de l'état de l'homme charnel, l'état de l'homme naturel, l'homme qui n'a croit pas au Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ne manifeste pas encore Christ. Tous les jours de sa vie, c'est les maux de tête. Tous les jours de sa vie, c'est la souffrance. Pourquoi? Parce que Satan domine encore sur lui. Mais lorsque tu commences à devenir un céleste, un homme spirituel, un homme qui porte Christ et qui manifeste Christ, Satan descend sous tes pieds immédiatement. Amen. Voilà pourquoi Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire parce que vous n'êtes plus terrestre, vous êtes déjà céleste. C'est-à-dire vous êtes monté et par le sang de Jésus et par la parole de
du témoignage, vous avez renversé Satan en bas. Il est descendu et vous vous êtes monté. Amen. Pasteur. Donc, il y a un combat spirituel à mener. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à désirer la sainteté. Tant que tu ne combats pas le combat de la sainteté jusqu'à gagner, mon ami, Satan est assis sur ta place dans les lieux célestes. Il faut que tu montes pour le déloger. Amen. Lisons Éphésiens chapitre 6. Vous allez comprendre donc le vêtement de la sainteté. De quoi est-ce qu'il s'agit? Allons-y ensemble et on va voir à quoi correspond le vêtement de la sainteté. Éphésiens, chapitre 6. J'aimerais que quelqu'un lise et à chaque fois je vais arrêter pour expliquer. Est-ce que Anaïs est là? Éphésiens, chapitre 6. Tu lis à partir du verset 10 si possible ou bien s'il y a quelqu'un d'autre là qui est déjà dessus, allez-y. Comme ça, je me consacre à expliquer. Quelqu'un d'autre lira. Moi. Éphésiens chapitre 10. Allez-y. La personne qui a lu là, allez-y. Éphésiens chapitre 10. Chapitre 6, verset 10. C'est ça. Ok. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Aucun souci. Amen. Arrête là. On dit bien contre les ruses du diable. On dit de toutes les armes. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que je vais dire ici. L'enseignement, si on va continuer avec ça, par la grâce de Dieu, même demain. Donc, ne soyez pas pressés. On dit que toutes les armes, on n'a pas dit une seule. C'est-à-dire, si une arme manque, il y aura une ruse où tu vas tomber. Parce que Dieu ne veut pas qu'on porte seulement une arme et on laisse l'autre. Toutes les armes pour pouvoir résister quoi? Contre les ruses du diable. Et vous allez comprendre que si une arme te manque, il y aura une forme de tentation où tu vas tomber. Parce qu'aucune arme ne doit manquer. Il dit car nous n'avons pas à lutter. Il dit bien car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand on dit contre la chair et le sang, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a un niveau de combat qui est le combat contre la chair et le sang. Mais il y a un autre niveau de combat qui est contre les principautés. L'homme de Dieu vous a fait un témoignage ici où c'est Satan qui est venu devant lui. Satan n'est pas un aigle Chanel. Satan n'est pas un être de sang. Satan est un être céleste. Ça veut dire que le type de combat que lui mène, ce n'est plus le combat Chanel. Ce n'est plus le combat de la chair et le sang. C'est déjà au niveau céleste qu'il est en train d'opérer les combats. Parce qu'il est le gardien de plusieurs destinées. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un comprenait ça, il allait dire. Amen. Si quelqu'un comprenait ça, il allait dire yes. Amen. Parce que je vous le dis en vérité, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Quand on dit que tu n'as pas à combattre contre la chair, ça veut dire que quand toi tu es encore au niveau de la chair, où la chair te gêne encore pour avancer en Christ, ce n'est pas de toi qu'on parle même déjà ici. C'est-à-dire que toi, tu n'as même pas fini le niveau de la chaise. C'est-à-dire qu'on doit monter. Il y a un combat même où on nous attend. Le combat où on nous attend, ce n'est pas le combat contre la cigarette, frère. Le combat contre la cigarette, c'est la chair. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, comment je dois dire ça? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est-à-dire, ce qui t'amène même à la cigarette, là, en fait, le vrai ennemi, ce n'est pas ta chair. Mais le vrai ennemi, c'est un esprit derrière. Donc, il faut que toi, tu revêtes les armes du chrétien pour pouvoir identifier cet esprit et le renverser. Parce que si tu n'identifies pas cet esprit, tu ne peux pas le renverser. C'est pour ça qu'il y a l'école
l'école de la sainteté. La méditation t'amène dans l'école de la sainteté. À ce moment, la sainteté n'est pas juste de dire que la sainteté, je dois éviter le péché. Je dois éviter le péché. La sainteté ne signifie pas uniquement « je dois éviter le péché ». Mais la sainteté signifie aussi « je dois connaître Dieu ». Le problème, c'est que les gens veulent éviter le péché sans connaître Dieu. Tu ne peux pas éviter le péché sans connaître ton Dieu. Parce que si tu ne connais pas ton Dieu comme il faut connaître, tu vas toujours tomber dans le péché. Donc le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils cherchent à éviter le péché sans s'attacher à la parole. C'est impossible. Parce que c'est deux natures qui se combattent. Soit tu connais ton Dieu et tu révèles la nature de ton Dieu et le péché est parti. Mais si tu restes au milieu, tu dis je combats le péché, je combats. Où est la nature de Dieu en toi? Si la nature de Dieu n'est pas en toi, tu combats par la chair. Tu combats par ta propre chair. Et Dieu dit quoi dans sa parole? Il dit ne faites pas confiance à la chair. Aussi longtemps que tu vas combattre par la chair, tu vas perdre le combat là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La seule façon de lutter contre le péché, c'est de se bombarder avec la parole. Tu te bombardes le matin, à midi, le soir. Tu te bombardes dans... C'est-à-dire que tu deviens le parolier. Avance, pasteur. Tu deviens... C'est-à-dire que un hôtel de prière. Tu es tout le temps dans la parole. Amen. C'est ça qui peut faire en sorte que le péché là n'a plus de pouvoir sur toi. Mais si tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu es toi comme ça dans ton coin... Et quand le péché vient, tu dis que tu vas résister. Mon ami, tu vas te réveiller quand tu as fait ça. Amen. Donc, qu'est-ce que je vais donc dire? On va continuer. Maman, vas-y. Commence au verset 13. Verset 13. C'est pourquoi? Allons-y, on a plus beaucoup de temps. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. On dit, c'est bon, maman. On parle de deux niveaux. On dit afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça veut dire qu'il y a les mauvais jours, bien-être. Est-ce que vous savez qu'il y a les mauvais jours? Dieu, dans sa sagesse, sait qu'il y aura des mauvais jours. Tous les jours ne seront pas roses. Tous les jours ne seront pas les bons jours. Il y a les mauvais jours. Dans le livre de Genèse, il y a un mystère. Par exemple, le premier jour de la création, il dit que Dieu créa la lumière. Il vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Il dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Le soir spirituel symbolise le mauvais jour, c'est-à-dire le temps favorable au règne des ténèbres. Le soir signifie le temps favorable au règne des ténèbres. Et le jour signifie le temps favorable aux œuvres de la lumière. Donc vous devez savoir que dans la vie-ci, il y a un temps favorable pour les œuvres des ténèbres. Et il y a un temps favorable pour les œuvres de la lumière. Mais maintenant, le fait que tu as porté les armes, je ne parle pas encore de la prière ici. L'enseignement, si c'est juste, je suis en train de mettre les fondations de la prière. C'est-à-dire que ici, là, je ne parle pas encore de la prière. Parce que vous allez comprendre que la prière est une arme parmi tant d'autres. La prière est aussi une arme parmi tant d'autres. La prière n'est pas la seule arme comme certains le pensent. Raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, nous sommes sur place. Parce qu'on croit que la prière est la seule arme. Donc ici, il dit que, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc l'essentiel n'est pas de monter, mais de rester là-bas. L'essentiel n'est pas de dire que, ok, aujourd'hui je suis bon et demain tomber. Il faut résister dans le mauvais jour et il faut tenir ferme dans le bon jour. Il faut résister dans le mauvais jour et il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. On nous dit maintenant, voici donc les armes. Voici les armes. Écoutez bien.
Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité est une arme bien-aimée. Si tu es un chrétien qui prie, mais qui cependant ment, tu vas aller où avec ça? Tu es un chrétien, tu es tous les jours en train de prier, mais en fait, tu es un grand menteur. Déjà sur Facebook, ce n'est pas ton vrai nom que tu utilises, ni le nom que Dieu t'a donné. Il n'y a aucune histoire sur ce nom. Il y a une forme de mensonge implicite sur Facebook. Vérité. Mais personne ici ne se rend compte qu'il ment. Vérité. Il y a d'autres types de menteurs qui partent sur Internet. Ils voient bien que les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu ont eu certains mystères, certaines révélations. Ils portent les mêmes révélations. Ils la portent, mais ils n'ont pas l'humilité de dire que ça là, j'ai entendu ça quelque part. Il n'a pas l'humilité de dire que ça là, l'homme de Dieu tel a eu à dire ceci, ça m'a plu. C'est un autre type de mensonge. Mais très, très, il y a les mensonges sournois. Hein. J'essaie de vous amener un peu à réfléchir. Donc, le type de mensonge que les gens appellent il y a la sagesse. L'homme de Dieu aime appeler ça la fausse balance. Il dit tout. Il aime beaucoup me dire ça, la fausse balance. C'est-à-dire que les gens sont au marché, homme de Dieu. Mais au marché là-bas, ils osent les prix. Ils mettent un genre de prix que quand toi-même tu entends le prix qu'il a donné, il veut 900% de bénéfices. Un enfant de Dieu. Et il dit que non, moi, j'ai donné mon prix. J'ai juste donné mon prix. C'est une autre forme de mensonge. Parce que même quand tu peux gagner, gagne avec modération. Il faut la tempérance en toutes choses. Quand tu exagères, tu n'es plus différent d'un capitaliste païen. Donc, je suis en train de vous donner quelques éléments. Parce que le mensonge de, voilà, le mensonge, on connaît le mensonge que les enfants mentent tout le temps. J'essaie de prendre d'autres types de mensonges. D'autres types de mensonges. Donc, nous devons éviter le mensonge. Le mensonge représente ta ceinture, frère. Si vous voyez l'armure des Romains, parce que ça, il avait donné ça selon l'esprit de l'armure des Romains. Quand vous voyez l'armure des Romains, dès qu'on enlève la ceinture, là, tout le reste est tombé. Parce que c'est l'épée qui tient sur la ceinture. Même la cuirasse, là, se dépose sur la ceinture. En fait, si c'est que la ceinture quitte, tout le reste, là, va tomber. Donc, tu vois donc que si tu deviens déjà un menteur, tu as ouvert une très, très grande porte dans ta vie. Je vous laisse, amen. Vous allez méditer. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice des personnes injustes. Ton enfant a provoqué quelqu'un. Maintenant, toi, dès que tu viens, tu vois ton enfant, tu commences à prendre le parti de ton enfant d'une manière terrible. Non, mon enfant n'a rien fait. Mon enfant a fait quoi? Mon enfant ne fait jamais rien de mal. On est venu te dire que ton enfant l'a attrapé la main dans le sac. Corrige l'enfant. Montre à l'enfant que non, ne vole pas. Tu commences à défendre ton enfant avec ça, c'est l'injustice que tu es en train de manifester. Dieu aimerait que tu manifestes la justice. Quand tu manifestes l'injustice, on dit que quoi? La cuirasse. Ça veut dire que l'ennemi peut te toucher maintenant. L'ennemi peut te... La flèche là peut entrer en toi à cause de l'injustice. Je veux répondre à la question de quelqu'un aujourd'hui. Oh, pasteur, je prie tellement. Mais je ne sais pas pourquoi on m'attaque toujours. Je ne sais pas pourquoi les rêves là, c'est tout le faux rêve là vient toujours. Quand l'homme de Dieu entend comme ça, il retrousse encore ses manches. Il prie. Le lendemain, tu reviens. Tu dis encore que comme tu vois là les couches de nuit, cette nuit, c'était grave. Homme de Dieu, ne prie plus. Parce que quand tu vas aller sonder, tu vas voir que le niveau de mensonge de la fille, c'est là. La fille, c'est que je parle. Je ne dis pas vous, hein. Ce n'est pas de vous que je parle. La fille, c'est... Le niveau de mensonge de la fille, c'est un autre niveau. Le niveau de justice de la fille, c'est un autre niveau. Ça veut dire que la prière ne suffit pas. Il faut la vérité et il faut la justice. Amen. Il y a trop de choses qu'on a considérées plus que d'autres dans le corps du Christ.
C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens déséquilibrés. Il y a des chrétiens qui pensent que le seul péché, c'est l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire que s'il réussit à rester sans faire la fornication, il croit qu'il est déjà sain. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les gens, quand tu dis à quelqu'un que le péché, si tu dis à quelqu'un que le péché, c'est quoi? Il va te dire que le péché, c'est l'immoralité sexuelle. Il a oublié le mensonge. Il a oublié l'injustice. Il a oublié ça. C'est-à-dire que ça, ce n'est même plus dans la tête. L'injustice, c'est ça. On ne pense même plus. Vous voyez? Les autres appellent même maintenant le mensonge que la sagesse. Non, je l'ai un peu pris dans la sagesse. C'est-à-dire que quand il t'a menti, il dit qu'il t'a pris dans la sagesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mensonge est appelé sagesse. Non, je l'ai frappé. Tu sais que il voulait un peu Mimba que non, je l'ai pris dans la sagesse. Cette sagesse ne vient pas de Dieu. Amen. C'est un diable. C'est une porte ouverte pour les attaques de l'ennemi. Donc je continue ici. On dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que vous savez, bien-aimés, que lorsque vous prêchez l'évangile, c'est une arme? Il y a certains démons. Ce qu'il va dire ici, écoutez ça bien. Il y a certains démons qui quitteront ta vie uniquement lorsque tu vas prêcher l'évangile. Choc. Il y a certains démons qui quitteront ta vie uniquement lorsque tu vas décider de prêcher l'évangile, comme le démon de la peur. Par exemple, il ne va quitter ta vie que lorsque tu vas décider de te lever, de commencer à prêcher. Amen. Parce que Dieu dit quoi? Que je témoignerai de ceux qui témoigneront de moi. Ça veut dire que je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais de force. Qui crie quoi? Abba Père. Quand on dit que crier Abba Père, dans le livre de Romains, là, on est en train de parler de prêcher l'évangile, c'est-à-dire de proclamer le nom de Dieu. Donc si tu ne proclames pas le nom de Dieu, il y a certaines faiblesses qui ne quitteront jamais ta vie. Amen. J'ai dit, il y a certaines faiblesses qui ne quitteront jamais ta vie. Tout le monde ici peut confirmer que lorsque vous avez commencé à prêcher l'évangile, vous-même, vous allez commencer à vous corriger vous-même. De peur qu'on ne te voit prêcher à aujourd'hui et demain, toi-même, on te retrouve dans le hala. On te voit prêcher aujourd'hui qu'on ne vole pas. Demain, toi-même, on te retrouve dans le vol. Donc, même la prédication, là, même prêcher l'évangile est une arme. Amen. Donc, il y a certaines choses qui vous arrivent uniquement parce que vous ne prêchez pas l'évangile. Tu es dans une maison. Tous les jours, tu dis que vraiment, la maman avec qui je reste là est sorcière. Elle est sorcière. Toutes les nuits, tu es en train de la casser. Le feu sur elle. Le feu sur elle. Il n'y a pas le feu qui arrive sur elle, frère. Un jour, tu vas aller devant Dieu. Tu vas dire à Dieu, depuis que j'envoie le feu sur la sorcière, si rien n'arrive, Dieu va te poser une question. Tu l'as prêché devant Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui es un feu. C'est l'évangile qui est un feu. La meilleure manière, c'est pas parce que tu dis le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu ne veut rien dire. Va prêcher l'évangile à cette femme que donne ta vie à Jésus. C'est quand elle va refuser maintenant Jésus et qu'elle va tenter encore, qu'elle va comprendre que le lion de la tribu de Judas, parce que lui, il ne juge pas si la loi n'a pas été donnée en avant. Donc la prédication de l'évangile est une arme. Je parle à tous ceux qui disent qu'il y a les sorciers au village, il y a ceci. Prêche-leur l'évangile. Quand tu les prêches l'évangile, tu les as condamnés. Parce qu'ils n'ont plus d'excuses devant Dieu. Ils n'ont plus d'excuses. Amen. Tu les as déjà prêché l'évangile. Ou ils acceptent l'évangile et ils se répandent. Ou ils refusent l'évangile et ils voient le lion de la tribu de Juda. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Je m'en vais déjà vers la fin. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Oh my God! Est-ce que tu savais que quand tu n'as pas la foi, c'est une porte d'entrée aussi de l'ennemi? Amen. L'homme de Dieu t'a déjà parlé. Il te dit que, ok, quand tu pries, fais comme ça. Ou bien il te dit que non, ta maladie que tu as là, j'ai prié. Dieu a dit que c'est bon, c'est bon. Dieu a dit que c'est bon là. Quand toi tu entres à la maison, une petite douleur monte dans ton ventre. Tu sais ce que tu fais? Tu sors, tu peux avoir un marabout. Tu sors, tu peux avoir un marabout. Ou bien tu commences à crier, à te lamenter partout devant les païens. Tu te lamentes. L'homme de Dieu t'a dit que va, c'est bon.
Mais toi, tu vas te lamenter devant les païens. Oh, ça ne va pas haut. Oh, ça ne va pas haut. Le païen, directement, dès qu'il voit ça, il dit que vraiment, votre homme de Dieu, là, ne sert même à rien. Vous partez faire les prières, là, même, pourquoi? Viens. Immédiatement, toi, tu ne sais pas que où tu es là, tu as souillé l'évangile. Quand tu as entendu l'homme de Dieu, tu dis que c'est bon. Crois que c'est bon. Amen. N'oublions pas que nous sommes dans un combat spirituel. N'oubliez pas que nous sommes dans un combat spirituel. Amen. La Bible déclare que n'annoncez pas à Gad ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Il dit n'annoncez pas. C'est-à-dire que ça, c'est dans le livre, dans l'Ancien Testament. Une manière de dire que les choses de la maison doivent rester à la maison. Amen. Quand tu prends les choses de la maison, tu amènes dehors. Immédiatement, l'ennemi prend le dessus. Les gens qui prêchent là que l'homme de Dieu c'est faux, l'homme de Dieu c'est faux, l'homme de Dieu c'est faux, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? À cause d'eux, beaucoup de personnes sont incrédules. Beaucoup d'âmes sont en train d'aller en enfer. Mm-hmm. Même s'ils avaient raison, je dis même s'ils avaient raison, la Bible dit « Don't tell him God, n'annonce pas les choses d'Israël auprès des autres. » Oh my God. Et l'apôtre Paul vient encore avec une autre façon de dire la même chose. Il dit que, mais, lorsque vous avez à juger entre vous, comment vous partez seulement voir les païens? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un doté de sagesse au milieu de vous qui peut juger? Amen. Mais vous partez pour juger chez les païens. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as déjà vu l'homme de Dieu, l'homme de Dieu t'a déjà parlé. Toi-même, tu amènes ça encore dehors pour dire que l'homme de Dieu, là, mais il m'a parlé, rien ne s'est passé. Hein? Ils sont comme ça, plusieurs chrétiens. Hein? Plusieurs chrétiens sont comme ça. Déloyal. Mais ils viennent là comme ça. Parce que depuis que tu as prié, ça ne va pas. Depuis que tu as prié, ça ne va pas. Il ignore qu'il a ouvert une porte de déloyauté, de manque de foi. Amen, amen. Amen. Oh my God, oh my God. Avec lequel, il dit, de surtout, cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, si. Il n'y a pas plus important. Vous savez que le casque, tes oreilles, le casque couvre les oreilles. N'entends pas n'importe quoi. Les gens de la musique profane, là, Pasteur Aldo parlait la dernière fois. Les gens de la musique profane, la musique profane dans tes oreilles, ça vient polluer. Ça vient te polluer, te déconnecter du salut. Ça vient te déconnecter de l'adoration céleste pour te connecter à l'enfer. Le casque du salut. Le casque du salut, si c'est aussi la révélation que tu as de ton salut. Tu dois avoir une révélation telle que tu sais que si tu meurs, tu vas aller au ciel. Pas une révélation telle que à tout moment tu as peur. Que oh, je vais perdre ma vie. Oh, je vais perdre mon salut. Non. Tu dois avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. C'est ça aussi le salut. Quelqu'un qui écoute la parole. Quelqu'un qui écoute Dieu. Quelqu'un qui est permanemment en train de méditer. Il développe quoi? Le casque du salut. Sa connaissance du salut. Là, on dit que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et le Fils que tu as envoyé. Quelle est ta connaissance de l'Évangile? Quelle est ta connaissance de Fils de Dieu? Quelle est ta connaissance de Dieu? Il faut une bonne connaissance de Dieu. C'est ça qui forme le casque. C'est ça qui te protège. Quand tu es constamment dans la méditation, frère, quand tu es constamment dans la méditation, sœur, même quand les pensées mauvaises veulent venir, tu n'as pas le temps pour ça. Parce que tu es dans un genre de raiment, tu es dans un genre de profondeur que quand tu regardes même, quelqu'un qui avait les problèmes, quand il te regarde, tu le regardes comme ça, lui-même il comprend que le gars, sinon même pas mon temps. Il prend d'abord sa route. C'est-à-dire que quand il vient là avec, oh, la gola m'a fait quelque chose, quand il te voit d'abord, quand il voit seulement tes yeux, il comprend que ça ne vaut pas la peine que je raconte ça à celui-ci. Il passe sa route. Recording in progress. Alléluia. Je vais continuer pour finir rapidement. On dit du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole. Ayez la parole de Dieu dans vos bouches. Ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. Un enfant de Dieu n'a pas peur de X ou de Y personnes. Hier, je vous ai dit que marchez par la foi, parlez par la foi. Sache que la parole qui sort de ta bouche est un feu. Alors, je ne peux pas dire n'importe quoi. Si quelqu'un vient vers moi pour me dominer, moi, je ne cherche pas la domination. Je parle juste la parole de Dieu. Il sera dominé. C'est aussi simple que ça. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toute parole. Quand quelqu'un vous provoque,
Ne vous inquiétez pas. Parlez les paroles de Dieu. Parlez les paroles inspirées de Dieu. Parlez par la révélation. En face, il va fléchir les genoux. Parce que ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Je vais aller rapidement. Faites en tout temps par l'esprit. Regardez quand l'âme de la prière arrive. Hein. Voir l'âme de la prière qui arrive. Ça arrive après tout ce qui est cité en haut là. Maintenant, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Même prier pour tous les saints est une autre âme. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, tu n'es pas seul au combat. Tu peux être en train de combattre ici, mais ton dos est visible. Et quand une flèche veut venir, un autre de tes frères encaisse. Ou bien il bat. Donc tu dois prier aussi pour tes frères. Parce que étant en guerre, ton frère est aussi un bouclier pour toi. Je parle à ceux qui n'intercèdent jamais pour leur frère en Christ. Vous êtes en train de vous affaiblir vous-même. Parce que quand tu marches avec quelqu'un qui n'est pas affermi, en fait, il a un potentiel danger pour toi. Intercède pour lui. Intercède pour lui parce que quand il va grandir, il va te permettre aussi de grandir sans problème. Mais si tu n'intercèdes pas pour lui et l'ennemi réussit à l'avoir, c'est lui qui va te piquer demain le couteau au dos. Ouais. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Ouais. Donc, faites par l'esprit toute forme de prière. Regardez à quelle heure la prière est venue sur tout le combat là. Comme pour vous dire quoi? Comme pour vous dire que la prière du juste a une grande efficacité. Ça, c'est le livre de Jacques qui nous dit. La prière du juste. Et la Bible déclare que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Vous voyez le vêtement-ci. C'est le vêtement-là que Christ nous a donné au travers de son sang. Amen. C'est au travers de son sang que nous avons le vêtement de la vérité. Le vêtement, la cuirasse de la justice. Le casque du salut. Le zèle que donne l'évangile de paix. Tout ça, là, c'est le revêtement de l'esprit. Amen. Et c'est encore par l'esprit maintenant qu'il faut prier. Amen. Donc, vous voyez que ne considérons pas seulement la prière. La prière, là, je donner juste la fondation de mon enseignement. Demain, maintenant, on va entrer dans le détail pour connaître la prière. Mais aujourd'hui, tu sais que pour prier, il faut être juste devant Dieu. Pour prier, il ne faut pas marcher dans le péché. Pour prier, il faut t'assurer que tu t'es repenti du mensonge. Tu t'es repenti de l'injustice. Il faut t'assurer que tu gardes la foi en Dieu. Il faut t'assurer que les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas n'importe quelle parole, mais sont la parole de Dieu. Il faut t'assurer de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Désormais, vous ne direz plus que je prie, mais rien ne passe. Je prie, mais rien ne marche. Je fais, mais rien ne... Aujourd'hui, tu sais que pour que ta prière ait de l'efficacité, ne considère pas seulement la seule prière qui est une âme, considère aussi toutes les autres, toutes les autres âmes. Considère aussi toutes les autres âmes. Considère l'intercession pour tes frères. Priez pour tous les saints. Considère la justice. Considère la parole pour ton salut. Garde tes oreilles par ton casque. Garde ta tête. Garde ta tête. Que rien n'entre, que n'importe quoi n'entre pas dans ton intelligence. Évite. Tout ça là, c'est tout ça qui contribue les âmes du chrétien. Et quand la prière vient maintenant, ta prière est efficace. Donc demain, nous allons continuer maintenant. Je vais laisser la main à l'homme de Dieu pour le reste. Amen. 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 Merci. Merci. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh. Acclame Jésus pour cet enseignement. Alléluia. Amen. 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 Qui a été béni? Amen. 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 Alléluia.
Que Amen. Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Nous allons lever les voix et nous allons bénir Dieu pour cet enseignement. Amen. Nous allons bénir Dieu pour cet enseignement. Parce que tout à l'heure, nous avons fait le sujet de prière. Nous allons maintenant bénir Dieu. Bénissons Dieu. Disons merci à Jésus. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci. Merci. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci de Jésus. Bénissons Dieu pour cet enseignement. Merci. Merci. Merci notre Seigneur. Merci notre Sauveur. Pour notre Jésus. Bénissons ton nom. Merci pour le Merci pour la puissance, Seigneur, de cet enseignement, pour la révélation. Seigneur, de la prière. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, d'entrer dans cette révélation. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, d'entrer dans ce point de contact. Dans l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Sauveur. Merci Elohim. Merci Seigneur. Merci d'être le solide fondement en nous, le fondement de la prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous allons prier, tu vas lever ton offrande. Pour celui qui a la dîme, tu vas lever ta dîme. Ou tu vas résoudre, voilà, non, tu vas lever ta dîme. Alléluia. Tu vas lever ton offrande, tu vas lever ta dîme. Alléluia. Et nous allons prier. Nous allons prier. Stéphane va prier pour ça. Alléluia. Stéphane va prier pour la dîme. Amen. Oh, Amen. Stéphane va prier pour la dîme. Alléluia. Amen. Il est là. Est-ce qu'il est là? Ou alors son épouse, je ne sais pas si l'un ou l'autre sont là. Je ne sais Amen. Pas. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour l'enseignement que nous avons pu avoir ce soir. Je remets entre tes mains, Seigneur, c'est toute parole qui a pu être entendue. Et bénis le pasteur. Rudolf, Seigneur, Zerach. Merci. Je remets entre ses mains aussi les dîmes, Seigneur, et les offrandes, Seigneur, que chacun puisse remettre, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et merci, Père. Amen. Alléluia. Merci pour tout. Amen. Amen. Voilà, gloire à Jésus. L'homme de Dieu va choisir quelqu'un pour prier, pour nous recommander pour la journée de demain. Et nous allons nous retrouver demain. Il va aussi recommander notre sommeil. Amen. Amen. Anaïs. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Allons prier pour recommander amen. Cette soirée entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Père éternel, te rendons grâce. Te disons merci, Seigneur, parce que tu étais au milieu de nous ce soir. Là où nous sommes réunis, tu es au milieu de nous, Père. Nous te disons merci, parce que si nous sommes ici, c'est par ta grâce, ce n'est pas par nos propres forces. Père, alors que nous partons et nous nous séparons ce soir, je prie, Seigneur Jésus, nous prions tous ensemble, que tes anges, Seigneur Jésus, nous escortent,
nous garde tout au long de cette nuit, Père éternel. Que ta main de puissance, Seigneur, soit sur chacun d'entre nous. Alors que nos corps vont se reposer, Seigneur, nos esprits restent éveillés. Puisses-tu, Seigneur, nous révéler tes mystères. Puisses-tu, Seigneur, enfoncer, garder cette parole dans nos cœurs pendant cette nuit. Qu'elle travaille, Seigneur, et qu'elle produise encore des révélations, qu'elle produise encore des résultats. Comme nous partons, Seigneur Jésus, garde-nous enracinés dans ton esprit, enracinés dans ta parole, Seigneur Jésus. Nous te recommandons, Père éternel, l'homme de Dieu, le prophète Léonel du Seine. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce que tu l'as inspiré ce programme puissant. Puisse-t-il être béni puissamment par ta main, Seigneur Jésus. Que tu accomplisses, Seigneur Jésus, tous les désirs de son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tous ceux qui sont ici, Seigneur, sont puissamment bénis. Grâce à toi, Seigneur, que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voyez, quand vous êtes près d'un soldat, vous êtes soldat. Oh. Les femmes, on appelle les femmes soldats, c'est quoi? Les soldats toujours. Oh. Vous qui êtes le professeur de français là. Amen. Les femmes soldats, c'est quoi? Les soldats. Vous voyez, le prophète est égaré, vous êtes aussi égaré. C'est pas normal qu'il soit juge. Amen. Pardon? Les femmes combattent. Le soldat n'a pas de féminin ni de masculin, c'est soldat. Voilà. Les soldats. Elle est sortie parler comme ça, vous me regardez. Oh. Vous voyez, nous n'allons plus cacher nos talents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et moi, selon la vision que le Seigneur m'a donnée, le Seigneur veut faire ressortir ses dons sur chacun de ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, je dis quoi? Dieu veut faire ressortir ses dons sur chacun de ses enfants. Donc, ce n'est pas pour rien que quand je finis de prier ou alors la prédication, je demande que telle personne prie. Parce qu'en vous, il y a beaucoup de choses que Dieu a déposées en vous. Il faut que cela sorte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, finis la dictature spirituelle. Qu'est-ce que j'appelle la dictature spirituelle? J'appelle la dictature spirituelle le genre de en fait, dans où nous sommes seulement, ou non, c'est l'homme de Dieu qui fait tout. Non. Ou c'est l'homme de Dieu qui enseigne, c'est lui qui prie, c'est lui qui fait ceci. Non, 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 non. Aujourd'hui, on veut partager. Que tout le monde soit présent. Que tout le monde participe. Alléluia. Que tout le monde participe. Parce que vous allez voir, c'est lui-même qui ne connaissait pas prier. Vous allez voir, il va commencer à connaître. Il sera inspiré par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, c'est vrai. Et il va apprendre à prier. Est-ce que vous comprenez? Il va apprendre à prier. C'est-à-dire, si on te désigne, on te dit, toi, prie. Même si tu ne dis rien. En fait, la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu même qui met les paroles dans nos bouches. Amen. Pour agresser au Père. Amen. Ça, vous comprenez? Amen. Et que c'est inspiré par le Saint-Esprit que nous parlons à Dieu. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans mes débuts avec Dieu, quand je venais de croire, et j'ai recommencé encore à courir après, on avait ce qu'on appelait les copines. Vous voyez ça en France, vous trouvez, beaucoup de personnes trouvent ça normal, mais ce n'est pas normal en fait. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis copine, c'est-à-dire, on croit que non, si on est avec une fille, c'est normal d'être avec elle en tant que garçon. Non, non, non. La seule chose que la Bible autorise, c'est le mariage dans la relation sexuelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, moi, étant nouveau converti, je voulais retourner dans ces choses-là. Et quand je retournais dans ces choses-là, quand je venais pour prier, les paroles ne sortaient plus de ma bouche. Donc, c'est-à-dire, quand je me mets à genoux, je veux prier, les paroles ne sortent plus. Est-ce que vous comprenez? Les paroles ne sortent pas. Amen. Ça avait le temps que j'ai compris, parce que j'étais encore comme un bébé au lait. En fait, je ne connaissais pas encore. Je suis allé voir mon père spirituel, je l'ai expliqué. Il me dit, mais ça, pourquoi ça m'arrive? Là, il m'explique. Je comprends la chose. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas prier si ce n'est l'Esprit de Dieu qui vous inspire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, maintenant, tu pries selon la mesure que Dieu t'a donnée. Bon, ce n'est pas notre enseignement, hein. C'est juste
Le pasteur a déjà tout dit. Je veux juste vous faire comprendre une chose. Alléluia. Amen. Tu pries selon la mesure que Dieu t'a donnée. Ça veut dire, tu vas voir quelqu'un va venir, peut-être comme, elle s'appelle comment la soeur, elle s'appelle comment Anaïs. Ok. Anaïs. Tu vas voir peut-être Anaïs. Hein? Anaïs. Anaïs, ok. Tu vas voir peut-être Anaïs va prier la mesure de l'esprit sur elle. Elle, comme elle a prié là. C'est-à-dire, prenons l'exemple que la mesure est comme ça. Bon. Je ne sais pas si vous voyez. La mesure est l'écran. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, je prends l'exemple sur moi pour ne pas frustrer quelqu'un. Maintenant, moi, je vais venir prier, mais la façon dont je vais prier, la mesure de l'esprit que Dieu m'a donnée, ça me permet, la prière que je fais, on voit que la mesure est comme ça. C'est-à-dire, c'est encore petit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, de fur et à mesure que je développe ma relation avec Dieu, alléluia, la mesure de l'esprit aussi est grandie. Amen. Et ça fait qu'elle grandit, elle grandit. Et demain, toi qui me voyais prier avec une petite mesure, tu vas me voir maintenant prier comme Anaïs, avec une grande mesure. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Amen. Donc, c'est pour te dire quoi? Quand tu pries, prie, c'est qui s'en sort, même si c'est deux mots, c'est la mesure que Dieu t'a donnée. Prie, n'aie pas honte de ça. Et la personne qui va se moquer peut-être de toi, il est ignorant, il ne connaît pas Dieu. Parce que je comprends. Quand tu pries et quelqu'un ouvre ou bien dans son cœur se moque de toi, il est fou, il ne connaît pas Dieu. Amen. Je comprends. Il est fou, il ne connaît pas Dieu. Parce que les choses spirituelles, ce n'est pas comme à l'école, celui qui a la grande note, on se moque de celui qui a la petite note. Non, dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. Si tu te retrouves en train de te moquer de celui qui est encore petit, tu vas te retrouver que lui, en un mois, Dieu va venir le dévancer, c'est-à-dire Dieu va le placer devant toi. On va te dire que c'est lui qui priait petit comme ça, ou qui avait les petites révélations comme ça, ou qui n'avait même pas de révélations, tu vas dire non. Tu vas chercher à voir comme ça, Dieu va fermer tes yeux, tu ne vas plus rien voir. Donc, spirituellement, les visions même que tu avais, tu n'auras plus. Tu partais souvent visiter le ciel, tout ça, ça finit. Parce que tu t'es moqué du bébé au lait. Alléluia. Amen. Je dis ça pourquoi? Pour que le jour qu'on désigne quelqu'un pour prier sincèrement, sans toi libre, tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Même si ta mesure est un centime, prie avec les un centime de mesure là. Même si c'est Seigneur, je te rends grâce et tu dis Amen. C'est seulement on acclame Dieu et on dit Amen avec toi. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Voilà. Donc, tu dois comprendre ça pour ne pas te frustrer. Alléluia. C'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Donc, c'est comme ça que nous allons fonctionner. Chacun va apporter sa pierre. Chacun va poser une pierre. Chacun va poser une pierre. Ce n'est plus que c'est une seule personne qui fait tout, non. Chacun va participer afin que tous soyons connectés. Donc, ça va m'arriver dans l'esprit. Je dis, tel prix. Lève-toi, tu pries. Ne dis pas que, je vais dire quoi, je ne suis même pas encore né de nouveau. Non, non, je le suis. Non, non, non. Prie selon la mesure que Dieu t'a donnée. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Amen. Okay. Donc, nous bénissons Dieu. Vraiment, je suis très content et très heureux pour l'avancement de ce programme. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles. Tout se passe bien. Chacun fait son programme de jeûne, chacun dans la présence de Dieu. Et le Seigneur se manifeste au nom de Jésus. Alléluia. Donc, rendez-vous demain pour un nouveau jour, pour un nouvel enseignement. Normalement, demain, on devait prendre la journée de demain de temps pour moi, pour les témoignages. Mais comme l'homme de Dieu n'a pas fini avec l'enseignement d'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, vous avez vu, vous êtes témoin. Alléluia. Donc, il va continuer l'enseignement demain. Et nous allons reporter les témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Amen. Nous allons reporter pour une autre fois. C'est ça, vraiment que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous demain à la même heure, à partir de 20h. Partagez la vidéo, voilà, à vos frères, à vos soeurs, vous êtes bénis aussi. Amen. Okay. Amen. C'est ça, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour, de l'amour. Que vous bénisse aussi de l'amour. Que Dieu vous bénisse de l'amour. Amen. Shalom, shalom, shalom.